Rock 80. Bienvenue pour cette deuxième émission qui va nous faire voyager entre 1981 et 1989. Et oui, on respecte les dates avec précision. C'est du rock des années 80 à dominante américaine, comme si on était en fait dans une radio classique rock aux États-Unis. Et on écouterait ce genre de choses, par exemple. Jack
Jackson Browne, extrait de son album Lives in the Balance, une des grandes figures du rock engagé américain, beaucoup moins connu, surtout en France, que Dylan et Springsteen. C'était For America, et dans Rock 80, il y a des figures, il y a des histoires singulières, comme celle de Eddie Money. C'est pas son vrai nom, bien sûr, mais il était flic avant. C'était un flic qui s'est lancé dans la musique au milieu des années 70. Il est devenu un grand vendeur de disques au début des années 80, et on va le retrouver en 1982 avec un de ses grands tubes, Think I'm in Love, Eddie Money. Vous écoutez RCJ et vous êtes à l'écoute de Rock 80, l'émission rock du mardi soir 23h minuit. Et dans l'habitude de ces groupes de hard rock qu'on va qualifier de sucrés, il y avait dans les années 80 pas mal de groupes qui venaient de Scandinavie, notamment de Suède. Celui qu'on va écouter maintenant existe toujours, ils se sont reformés, il s'appelle Treat. On était à l'époque en 1986, extrait de The Pleasure Principle. Le morceau c'est Eyes on Fire.
Un morceau qui était composé par le producteur Greg Winter et pour la petite histoire, quelques années auparavant, trois exactement, le groupe américain Blue Oyster Cult a enregistré la même chanson et quasiment avec les mêmes arrangements. L'histoire du rock est vraiment quelque chose d'intrigant. On va rester aux États-Unis puisqu'on a parlé de Blue Oyster Cult avec un chanteur qui est totalement inconnu, je pense, en France, qui fait partie de ses carrières qui n'ont pas franchi l'Atlantique, qui s'appelle Henry Lee Summer. Son album de 1989, c'était I've Got Everything. Sa carrière a pratiquement été centrée sur le milieu des années 80. On va écouter Roll Me, peut-être pour la première fois sur la bande FM française, Henry Lee Summer. Le chanteur américain Henry Lee Summer, et je crois qu'entre nous, on peut appeler ça du rock réconfortant. Et justement, ce rock FM, cet AOR à l'américaine, c'est souvent comme ça. Et ça fait du bien, notamment le soir, en pleine semaine. Henry Lee Summer, et on le réécoutera bien sûr dans cette émission, mais voilà. On le coûte si peu en France, il est complètement oublié, mais sûrement pas des Américains. Alors,
Il y a aussi des groupes qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, qui ont fait leur succès aux États-Unis et qui ont fait une musique qui finalement s'éloignait un peu de leurs racines. C'est le cas des fameux Scorpions de Hanovre, les Allemands, qui sur l'album Love at First Sting ont réussi le pari de réussir dans le monde entier. Ils sont devenus des stars internationales. Quelques années plus tard, ils faisaient un morceau pour la paix dédié à Gorbatchev et à Perestroïka, c'était Winds of Change. Et puis sur l'album Love at First Sting, il y a évidemment la ballade Still Loving You, que tout le monde connaît aujourd'hui parce que ça s'est diffusé encore partout. Évidemment, j'ai choisi un autre titre plus en phase avec leur vraie musique de l'époque, du hard rock extrêmement mélodieux et bien produit, bien chanté, bien interprété, Big City Nights. Rock 80, c'est le rock des années 80, le mardi à 23h sur RCJ. Ça, c'est un groupe
que vous devriez tous et toutes connaître, puisque deux de ses membres fondateurs, et les deux seuls d'ailleurs qui restent encore dans le groupe aujourd'hui, sont de la famille, comme on dit, de la maison, de chez nous, c'est comme vous voulez, c'est-à-dire Chaim Weitz et Paul Stanley. Alors Chaim Weitz, c'est le vrai nom de Gene Simmons, né à Haïfa, aux alentours de la fin des années 40. Et puis voilà, tous les deux, ils ont réussi dans le rock. Et en 1985, ils sortaient un album qui était un peu plus mélodieux que leur production du tout début des années 80, mais qui allait progressivement vers un style de plus en plus sucré, puisque ce mot, je l'ai déjà employé et que c'est peut-être le plus simple. L'album s'appelait Asylum, Tears Are Falling. Si on doit considérer un groupe emblématique du genre qu'on privilégie dans Rock 80, c'est le groupe Toto. Et en 1984, ils venaient d'avoir un nouveau chanteur à la voix très haut perché, qui collait très bien avec leur style. Dans le genre, cet album Isolation est un chef-d'œuvre, à mon humble avis. On écoute cet extrait qui est sorti donc cette année, Angel Don't Cry. We'll be right back.
Vous écoutez Rock 80 sur RCJ 94.8 et sur Internet. Petit tour en Irlande avec Gary Moore. Voilà un guitariste et chanteur qui a changé énormément de style depuis ses débuts dans les années 70 alors qu'il n'était qu'un adolescent. Passage évidemment dans Thin Lizzy, dans le groupe de jazz fusion Colosseum et j'en passe. Il est en solo dès le début des années 80 et sur l'album Wild Frontier, il mêle son hard rock très mélodique avec ses racines irlandaises. C'est un très bel album et on écoute le morceau titre. Rock 80, ce n'est pas seulement du rock FM ou du hard FM. De temps en temps, on s'accorde des légers détours vers des genres qui conviennent tout à fait à ce style. Le blues rock de Stevie Ray Vaughan en particulier. Son album de 1984, Couldn't Stand the Weather, Cold Shot. ¶¶
thing, and that's a ghost shot, baby. Yeah, that's a thing. It's a cold shadow. Je vous rappelle que si vous aimez ce genre de musique, le blues rock, il est obligatoire sous peine de poursuite judiciaire d'écouter l'émission de William Zerbib le lundi à 23h qui est tout à fait dans ce style. Donc prenez rendez-vous, vous avez deux soirées indispensables sur RCJ, le lundi et le mardi à 23h. On repart en Angleterre avec Genesis. Alors évidemment, ce n'était pas leur meilleure période, les années 80. Mais puisqu'on reste fidèle à notre principe, on va quand même sortir un morceau tout à fait intéressant de l'album Abacab 1981 et ça s'intitule Keep It Dark.
dog, keep it dog. Rock 80, ce sont des découvertes, des introuvables, des pépites, et j'ai dégoté pour vous un groupe américain qui s'appelle Sugar Creek, et en 1982, il sortait l'album Fortune, tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire des claviers au son délicieusement démodé aujourd'hui, de jolies mélodies, de bons arrangements, un chant et des guitares parfaitement calibrées. C'est ça Rock 80. Et le morceau qu'on va écouter pour découvrir ce groupe, c'est Soothsayer, difficile à prononcer. On y est, on y reste. Les Go-Go's, le groupe entièrement féminin californien qui avait tant de succès dans le monde entier à cette époque, mais oui, même en France. Si vous êtes assez âgé, je dis ça pour moi aussi bien sûr, pour avoir écouté la radio, vous connaîtrez forcément ce morceau. C'est aussi celui de l'album Vacation. I'm not afraid to
c'est le moment de se quitter sur RCJ. C'était Rock 80 numéro 2. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mardi à 23h, 1 sur 2, 2 sur 3, on ne sait pas trop, mais restez à l'écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je remercie beaucoup Daniel qui était à la technique et je vous souhaite une très bonne soirée. Looking for a freedom and a life of his own. But the freedom that he found wasn't quite as free when the truth was known. Awake and can see, and until her conscience has been found.